Inna alhamdulillah. En réalité, tout mérite, tout arrive, tout est louable pour Allah. Et effectivement, mon frère, ma sœur, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une créer humain, il fait une créer du monde, avec une planification pour qu'il du monde réellement adore, lit et lit tout ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il crée tout ce qui est là dans l'univers seulement pour servir humain. Et tout ce qui Allah il crée, Allah il crée lui le portrait qu'il lit dans sa connaissance. Dans sa connaissance exacte, parfaite, et une connaissance illimitée qui remplit avec sagesse, Allah fait créer chaque chose dans sa nature exacte, dans sa caractéristique exacte. La terre et les ciels, tout ce qui est là entre la terre et par les ciels, Allah tout seul qui crée, et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, بسم الله الرحمن الرحيم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل et Allah lui-même créateur de tout quelque chose et lui Allah le tout quelque chose lui est gardien lui est responsable lui est en contrôle et lui supervisé lui surveillé mon frère ma sœur. C'est le même Allah qui fait créer tout ce qui est là dans l'existence qui est visible et qui est invisible pour servir nous, parce que nous, humains qui est la valeur pour Allah, nous, réalité fondamentale, c'est là-dedans qu'Allah trouve ce plaisir. Il crée nous pour ce plaisir et cette satisfaction et il crée nous pour ce l'amour. Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Et c'est le même Allah qui fait créer pour eux tout ce qui est là dans la terre, dans l'existence. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui est là dans l'existence qu'il fait créer, il fait créer ce tout pour l'adoration de sa gloire. En d'autres mots, il fait créer ce tout pour ce tout adorer. Tout cela, tout le long de l'année, nous mettons en valeur à Allah son mérite. Nous mettons en valeur à Allah son mérite dans plusieurs dimensions, dans plusieurs angles. Et je vous fais un rappel des versets Coran qui Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nous, humains, nous avons une réalité fondamentale. Nos réalités fondamentales, c'est que nous raisonnons, nous comprenons et nous conscients. Allah subhanahu wa ta'ala qui fait de nous sa réalité-là, Allah attend de nous que ce qui nous fait à lui, dans tout ce qui nous fait à lui, il a sa réalité fondamentale, réel et naturel qui accompagne ce qui nous offre à nous maîtres, nous créateurs. Allah dit dans Surah 24, ayat numéro 41, si vous m'avez fait rire, Surah 24, ayat numéro 41, Bismillahirrahmanirrahim. Surah 24, ayat numéro 41. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Est-ce que tu vas bien trouver par ton raisonnement, par ton intelligence, par ton habilité humaine, est-ce que tu vas bien contempler, tu vas bien méditer, ou tu vas arriver à réaliser que tout ça qui est là dans le ciel et la terre, avec chante la gloire de ton maître, et ben soiseau peut ouvrir les ailes, peut refermer. Kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Ce tout, ce kun, ce salat,
en d'autres mots, cette relation, cette connexion avec cette maître, cette gonne, cette la prière, cette l'adoration, tout, même oiseau, tout ce qui est là, dans le ciel et la terre, et cette gonne, ce moyen d'expression de cette gloire, de la gloire d'Allah. Wallahu alimum bima yaf'aloun. Et Allah, il y a un connaisseur de tout, chaque petite particule. Chaque petite particule dans chaque créature. Dans le pied même, dans son racine, dans son feu, dans son bronze, dans son bord, dans son système, un par un, chaque particule. Allah subhanahu wa ta'ala connaît d'après ce qu'Allah veut dire Wallahu alimum bima yaf'aloun et Allah lui connaît tout ce qu'ils ont à faire. Non, il n'y a pas échappé à Allah sa connaissance. D'ailleurs, Allah sa divinité qui alimente l'existence et dans l'existence chaque petit particule. Quand une particule peut évoluer, il y avait évolué le programme qui Allah a planifié pour lui, et ainsi, dans l'obéissance à Allah, ainsi, dans l'adoration à Allah, et ainsi, il est soumis. « Wa in min shay'in illa abirrahman abda » Mais il y a une petite chose, une particule, excepté qu'il retourne vers Allah, comme un abd, comme un esclave. Votre frère, votre sœur, Allah subhanahu wa ta'ala, il attire nous l'attention dans plusieurs places dans ce dernier révélation pour nous contempler l'existence et nous trouve sa gloire à travers sa télécré, sa manifestation visible dans tout petite chose, là où tout petite chose, en bas tout petite chose et alentour de tout petite chose. N'a pas une petite chose qui paraît comme Allah. Laïsa Tamithrihi Shayon. Pena une petite chose qui ressemble à lui, qui égale à lui, ou bien qui paraît comme Ali. Un frère, ma sœur, ou besoin de servir dans la faculté qui est l'un de nous, ou besoin de servir la réalité naturelle qui est l'un de nous, pour capable contempler et trouver la réalité, l'existence, sa créateur là, avec son capacité, avec son autorité. Et avec raisonnement, avec compréhension, avec l'état de conscience, qui vous offert ça qui vous fait reconnaître dans la réalité par moyen de vos bonnes facultés. C'est à ce moment-là qui vraiment, vous pouvez réagir comme un humain qui ne reconnaît ce créateur, l'autorité ce créateur, capacité ce créateur, et vous pouvez dans l'adoration par l'amour pour sa créateur-là. Car tout ce qu'il fait de nous comme moyen, tout ce qu'il fait de nous comme faculté, tout ce qu'il fait de nous comme possibilité, il fait de nous par l'amour qu'il est dans vous, et il fait planifier pour qu'il vous adore seulement. Ma frère, ma sœur, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait révéler à notre intention toute l'instruction qui amène vers la lumière de la guidance, l'instruction qui dirige l'homme sur le système de fonctionnement vers la réalité qui concerne l'homme dans son intérieur et autour de lui, afin qu'il se soumission, une soumission réelle,
afin qu'ils sont adoration, viennent adoration réelle. Béna en action, béna en événement, na béna en circonstance qui n'a pas Allah même qui est là. Non, il n'est même pas capable de prendre effet. Non, il n'est même pas capable d'arriver. Non, il n'est même pas capable de réaliser, excepté par ce qui Allah a prédestiné, ce qui Allah a décrété, ce qui Allah a sa volonté là-dedans, ce qui Allah a oulé son irada, son désir, ce qui Allah subhanahu wa ta'ala, qui commande la plume pour écrire, et ce qui Allah peut permettre pour arriver. Et ce qui se lève dans la réalité naturelle qui Allah a donnée, la nature, c'est Allah qui donne lui sa nature. Dans la réalité naturelle, ce l'air inarrivé, pour y arriver, pour y réaliser. Rappelle bien, ça, cette petite chose qui, autour de moi, il mentionnait, parce qu'il ou la vie, malgré où il y a une réalité qui passait le raisonnement, qui passait la compréhension, et qui passait l'état de conscience, malgré sa réalité-là, malgré la réalité qu'elle a donne où, qui ou là une habilité pour décider. Avant de décider, ou capable de choisir, ou capable de base ou choix, l'eau a une volonté, malgré ça, tout humain cette volonté mis en bas Allah sa volonté. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. On n'a pas pour capable et la volonté pour faire quelque chose, excepté que Allah fin oule ça. Mon frère, ma sœur, la yakunu shay'un illa bi sab'in. Non, il n'est pas capable d'arriver et où la vie peut dérouler d'après ça, c'est qui on peut attendre là. Si on n'a pas fait les efforts pour le comprendre, si on n'a pas, ma frère, ma sœur, c'est qui on peut attendre là, là. L'arrivée pense à cette petite chose là même. C'est qui on peut réciter, raisonner et comprendre là. L'arrivée pense à cette petite chose là même. Tout ça, cette petite chose là, attaché avec Allah tout seul. Numéro 1, Qadar. Allah, il mettait dans la prédestination. Numéro 2, Qadar. Allah, il décrétait. Numéro 3, Mashiach. Allah, sa volonté. Numéro 4, Irada. Allah, sa voulait, sa désir. Numéro 5, Allah, subhanahu wa ta'ala, qui dit à la plume, Oktoub ya Qalam. Mada Oktoub ya Rabbi, écrit à plume. Qui m'a pour écrire au Rab, Oktoub Maqadir al-Ashia, écrire la prédestination de toutes choses. Seulement ce qui fin écrire, plumine levée, langue insecte, tout ce qui est écrit dans Ummul Kitab, la maman de mon livre, l'origine de mon livre, c'est ça tout seul qui a fait réaliser. Et là-dedans, il y a un nom comme un mu'min, un croyant. Il y a un nom comme un islam. Il y a un nom comme un ummat de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui est encore vivant jusqu'à aujourd'hui dans sa Jumala, dans sa Liyala. Après bien, il y a du monde déjà pu faire Jumala. On a dit sortir de la case, puis à l'enterrer tantôt. Il y a un grand monde qui traversait vendredi passé jusqu'à sa mort. Je l'ai fini qu'il nuit dans lui. Le dos, la case, la terre, tout qui lève là. Mon frère, ma sœur, où il y a un raisonnement, et il y a encore peu de travail, il y a encore peu de produire. Ça, 10 billionnaires qui compartaient ensemble, ils ramassaient dans le cerveau, il y a encore pour la divinité d'Allah. Par la volonté d'Allah, par les décrets d'Allah, parce qu'Allah il écrit, vous trouvez au Congo fou là. Ou encore peut raisonner. Et les temps fait causer vous, ou encore peut tendre. Allah qui me crée sa oreille là, Allah qui me crée sa nerf dans sa cerveau là, Allah qui me crée sa manvale dans sa légère là, il y a une capacité pour faire au cerveau, en caf avec nous, kun. Fayakoun, elle n'est à casser, ou admettre l'hôpital et d'entendre l'enterre. Khatam Allah wa ala kolombihim, Allah mettait scellé le oulikir, wa ala samaihim, le ouzoui, wa ala absorihim, Allah mettait l'assiette dans l'ouzoui, et lui mettait un voile le oulisier. Qui s'en a pour guide ou après Allah?
qui s'en a pour capable de vivre à bord d'Allah, et ben qui peut en dépendre Allah sous volonté, et ben qui peut récit comprendre par Allah sous divinité. Allah connaît ou là, Allah connaît à l'intérieur de où qui peut manipuler. Allah subhanahu wa ta'ala, le contenu de où les guerres. Allahu alimum bidati sudur. Allah est connaisseur de ce qui va les guerres contenir. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. Nous fait créer l'humain et nous connaît qui sont âmes et lui amirer à l'intérieur de lui. Un frère, ma sœur, le moment inarrivé, après, surtout, ça s'amène là, finit une déclaration bien grave. Une déclaration bien grave, ça s'amène là. L'eau sale la terre, côte Kayamat, pour centraliser la Palestine. Quand Jérusalem, il vous donne l'actualité, Madina pour down, teint. Vous trouvez Madina teint. Non, rien n'est pas causé, pas capable même causer. Mais Jérusalem, dans l'actualité, Omran Baytul Maqdis, Omran Baytul Maqdis, Kharab ou Yathrib, le prophète dit là. Quand Baytul Muqaddas, ici, là, il est dans l'actualité encore des jours, trois jours des Sénats. Le Parlement, Israël, il décidait qu'il veille le Muqaddas pas pour capable de partager avec personne propriété juive. On va dire, là, si vraiment l'islam, si vraiment, ou tiens, on a iman, réellement iman dans les guerres, et si vraiment, on a ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'époque d'Omi, l'époque Kaspos, infinie. La guerre, il déclarait, et ça, c'est la guerre qui va le terminer, ça les mouna. La taboum sa'a, hatta yuqatilu al-muslimun al-yahoud. Kayamat n'a pas pu arriver, l'Ela n'a pas pu arriver aussi longtemps qu'un musulman n'a pas la guerre avec juif. Donc ça l'Ela, mon frère, mon sœur, waïlul lil arab, malé à l'Oban arab. Le prophète n'a pas prononcé le seul langue. Un mot, par son hawa, par son passion, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans chapitre 53, verset numéro 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu anil hawa. Le prophète n'a pas prononcé par sa passion. Il n'a pas prononcé à partir de ça qu'il lit, il pensait, à partir de ça qu'il lit, l'iena sous l'envie là-dedans. Non. Il huwa, s'il est causé, il, s'il est prononcé, illa wahyun yuha, c'est une révélation qui peut être révélée à travers Allah ce message. C'est un message Allah qui peut être révélé à travers Allah ce message. Muhammadun Rasulullah. Muhammad, c'est Allah ce Rasul ça. Allah ce messager ça. والذين معه أجداء على الكفار من كي au côté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce très fort et dur contre man qui rébellait contre Allah et contre din Allah et contre le messager d'Allah ruhama bainahum entre eux ce n'a pas critique un à l'autre entre eux. Je n'ai pas la guerre entre eux. Entre eux, je ne pardonnais un à l'autre. Fasfahis sofhan jamil. Pardonne ton frère un joli pardon qui fait inna sa'ata atiyatun la raïba fiya. L'air a prévenu que pour régler tous affaires, tu peux gagner ton hap. Mais quand on lit à calma,
quand tu tournes dans une direction qui appelle Qibla, quand tu lis un kitab qui appelle le Coran, et quand tu lis wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, tu ne finis bien haine avec ton frère qui lui aussi n'y a même calme que toi, qui tourne dans la même direction que toi. Plus qu'il jamais, il l'air pour mettre de côté tout le civilisation qui est là, besoin qu'on prend Baytul Muqaddas li en jeu et qui Allah subhanahu wa ta'ala dans sa dernier moment là li voulait qui musulmans unir pour la cause de la vérité. Quelle vérité? C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui amène la vérité là. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. C'est le même Allah qui fait envoyer son rasoul, son messager, avec la guidance Coran, din al-haq, islam. Une seule vérité est là, et ça nous dit bien faux. C'est islam. Ça, il passe à l'islam traditionnel, ou bien l'islam qui peine une base solide. Non! Islam qui est basé sur la compréhension, qui est basé sur le raisonnement, qui est basé sur la révélation. Et devant la révélation, l'homme n'a pas le droit de raisonner, il n'a seulement pour soumettre totalement à travers la révélation à Allah ce bon commandement, à Allah ce volonté. Mon frère, mon soeur, dans le chapitre 17, verset numéro 44, chapitre 17, verset numéro 44. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal-ard, tous les sept les ciels et la terre a peut faire tasbih pour Allah, a peut chanter gloire à Allah, a peut chanter le mérite d'Allah, les louanges d'Allah, wa man fihinna, et tout ce qui n'a pas les ciels et la terre appréciant Allah son mérite, son gloire, son louange. Et toi, Allah, il privilégie toi. Tout comme l'imam qui Allah préfère, dans tous les guerres, Allah, il met la lumière de la foi. Dans ton identité, Allah, il met son envie, son désir. C'est Allah qui appelle toi musulman. Ruasamna comme le muslimin. Oulaïka, Allah dit dans chapitre 58, verset numéro 22, Sabanna, Kataba fi kouloubihimul iman. Allah fin écrit à la foi, iman dans cette guerre. Allah, il appelle toi musulman, mais n'a aucune coïncidence, n'a pas aucun coup de sens, ou bien un hasard. Allah, il choisit toi, par sa prédestination. Avant même qu'il y crée la terre, avant même qu'Allah crée la terre, il est fini connaître pour qu'il habite la terre. Elle est fini connaître dans son connaissance ton point imandar. Elle est fini connaître dans son connaissance ton pour encore vivant jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui te fait écouter là-là, te pour t'admettre, te pour comprendre bien. Avant même qu'il y crée la terre, il est connu de l'existence, qui te point croyant, te point islam, et il s'y connaît qui te parcourt dans Ummat Adam alayhi salam, ou bien Ummat Moussa alayhi salam, ou bien Ummat Ibrahim alayhi salam, mais te bout dans Ummat Sohabib sallallahu alayhi wa sallam. Allah aujourd'hui, d'après ce plan, Allah ton convivant, d'après ce plan, Allah te fait donner ce qui te fait donner, et réaliser maintenant ton valeur aux milliers, sa multitude créature qui peut chanter sa piété, sa gloire. Chaque feuille peut chanter sa gloire. Chaque branche peut chanter sa gloire. Chaque mousse qui vient voler peut chanter sa gloire. Au milieu de tout ça là, quand toi te dis Alhamdulillah, lui pèse l'oulo la balance dans sa univers là et dans l'univers qui vient attendre toi éternellement de l'autre côté. Un pied pas vous présente dans le tribunal. Un fourmi pas vous présente dans le tribunal. Mais toi, tu vous présentes dans le tribunal et tu chantes, tu chantes, tu chantes la gloire, tu tasbih qui t'offert, tu ham qui t'offert, ça n'a pas qu'une valeur. Allah, il crée toi pour te faire sa gloire. Allah, il crée toi pour te faire ce tasbih. Allah, il crée toi pour te faire ce hamd. Allah, il crée toi pour te faire ce ibada. Allah, où l'est qui t'ibada, ça y est ton caractéristique. Ton awareness, ton consciousness,
ton raisonnement, ton compréhension, ton concentration et ton dévotion. Le tout de toi, Allah Adam, l'ingré toi pour ça. Et aujourd'hui, malgré tout erreur qui t'ont capable de faire, malgré tout erreur qui t'ont capable de faire, Allah encore pégote toi le sur la terre. Allah encore peut faire toi écoute son message. Allah subhanahu wa ta'ala, sa quantité qu'il est content toi là, mais tout le papa, le maman qui est dans l'univers entier. Pas pour capable est égal un petit l'amour qui a là et là pour un comme à toi. Tous les jours, l'océan vient quand Allah se libère. Tous les jours, la terre vient quand Allah se libère avant de se libérer. Oh mon rab, est-ce qu'il y a une dunia aujourd'hui pour une dunia aujourd'hui et la terre et l'océan? Qui sont les problèmes aujourd'hui là? La terre commence à libérer, il y a sa quantité de péché qui va nos enfants Adam peut faire. Sa quantité de péché, désobéissance qui va nos enfants Adam peut faire. Transgression, pas de limite qui va nos enfants Adam peut faire. Mon n'est plus capable de tenir. Donne crée-moi avec une nature vous capable de trembler. Mon fan, mon gloutiseur. Donne-moi sa permission là avant de se l'élever. Laisse-moi fan, mon trembler. Et mon crase, toi. L'océan qui est au problème. Il y en a qui ont témoigné ce qu'il a fait, mais il y en a raison. Et moi-même, moi, je témoigne l'homme les deux. Sa quantité impureté, immoralité, indécence. Sa quantité désobéissance, transgression, corruption qui peut dérouler. L'homme les deux, moi, je n'ai plus qu'à partir. Donne-moi permission, moi, je comme un tsunami, moi, je prends ce tour, je retourne et je finis ce tour. Ramoula Lamine répond. Ma balou kouman touma, et je te dis là, qui se problème, l'organo riba du kouman toum, si ça va la tise créature, voilà qu'il n'a pas riba dit Anna, mais ça va la c'est mon créature, ça va la c'est mon créature, voilà alhamu bihim, minal ummi bi waladiha, moi je n'ai plus beaucoup l'amour, l'affection, pitié pour eux, qui est maman et là pour ce petit bébé. Ça, toi là, ça doit Allah qui me crée chaque petite particule, les jours après les jours, la veine après la veine, l'incrète aussi avant, l'incrète les guerres, et lui encore peut l'esprit fonctionner. Ça doit Allah qui me fait à toi une imandar, soit ça doit Allah qui me fait pas une islam, ça doit Allah qui me fait pas une ummat pour son habib, aujourd'hui tu sois l'honneur à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, malgré tout et rien qui tu es capable de faire. Allah peut attirer l'attention qu'il n'a pas besoin de toi. Allah n'a pas besoin de toi. Allah subhanahu wa ta'ala dit tu sabbihu lahu samawatu sab'u wal ard. Pas de légère fait tasbih pour Allah. Antum asaddu khalqan. Est-ce que toi tu es plus difficile pour créer un islam ou bien les cieux? Pas là, halun ranzli. Les chiens peuvent faire ce tasbih, les chiens peuvent faire ce hamd. Allah n'a pas besoin de toi. Toi qui visais Allah, dans chapitre 35, verset 15, Allah peut dire Ya Yuhannas et Benjimon, Antumul Fuqara ou Ilallah, je tout bon fakir envers Allah. Je besoin Allah chaque seconde pour qu'Allah fasse continuer respirer, continuer trouver, continuer tendre, continuer parler. Pour qu'il y ait une fraction de seconde, Allah fait où la voix puis il dit, crois-moi mon Dieu. Crois-moi mon Dieu, mon frère, mon sœur, dans une fraction de seconde. L'on a changé si nous vivons à ce temps-là. Si nous vivons à ce temps-là. Ça dès lors que vous voilà nous faire vivre dans la mer. J'allais vous vous dire que vous faites vivre dans la mer. Vous allez boire de l'eau. Si nous vivons à ce temps-là, Allah les bloque au lycée, vous allez trouver. Si Allah en vit à ce temps-là, les paradis sous surface dans la sourate Yassine, Allah dit la tomasna ala ayunihim, la unasha ou la masachnahum ala makanatihim. Si nous vivons à ce temps-là, mon frère, mon sœur, nos situations invines, extrêmement difficiles, nous sommes mis à l'épreuve par une déclaration bien, bien grave. Déclaration qui me fait sa semaine-là par le parlement d'Israël concernant la terre Allah.
la terre de la Palestine, concernant Masjid Al-Aqsa, bien, bien grave, pour un musulman, n'a pas pris cette décision, et il n'est pas dit, Allah ou Allah, pour un musulman qui tout choisir, pour aller défendre Beitul Muqaddas et retrouver l'amour là-bas. Nous n'avons pas de violents, nous n'avons pas de terroristes, nous n'avons pas de qui crée la guerre. Au contraire, ban qui rentre dans le territoire qui n'est pas pour eux, je peux occuper le territoire qui n'est pas pour eux depuis 1948, de qui mettre sa paix qui habite dans la Palestine en dehors sur propre la terre, de qui me faire une misère autant l'année, aujourd'hui je peux prendre sur la terre pour lui faire la prière. En deux mots, Beitul Muqaddas n'a pas pour juif. Beitul Muqaddas pour Palestiniens, Beitul Muqaddas pour Islam, Beitul Muqaddas pour musulmans. Jérusalem, les pour musulmans, il n'a pas pour un juif. Quand il y a une déclaration pareille, dans où les guerres, c'est qu'il y a là une inscrite comme imam, où est statut comme un musulman, et où valeur comme un ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah peut mettre ça en cause pour tester où. Est-ce qu'ils vont encore attacher avec sa dunya là? Est-ce qu'ils vont encore attacher avec le matériel ou bien ou l'esprit ou les guerres avec ce propriétaire? Ou décision, ou l'ambition, ou passion, infinibine pour celui qui plie grand dans ou décision Allah. T'as l'air comme un djibouté ou vous dire Allahu Akbar. Allahu Akbar veut dire Allah se kalam le plus grand, Allah se dîne le plus grand. Allah se bat le lieu sacré, Shahaïrillah, le plus grand pour vous dans vos considérations, dans vos bonnes décisions. Ou en face de vos propres réalités, vous gagnez droit à un patent, dire non, non, vous n'êtes pas capable. Amen, ça la classe, à la ligne de la vérité, la moralité. Ou gagnez droit à dire Yarab, mon affranchis, amen, comme faillouk, min, c'est lui qui parmi vous envie amen, ou même ça, amen, comme faillouk, four, c'est lui qui parmi vous envie faire koufour, il gagne droit à faire koufour. Allah, la ikrah a fait din, jamais Allah pas une fausse personne dans din, mais servi au raisonnement, servi aux compréhensions, et qu'est autour de vous, trouvez ce qu'il y a de la plaisir. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن تسكن ارضا لشرك لاتيه لشرك بان لشرك لاتيه aussi a pu faire tasbih pour Allah. Faire tasbih veut dire chante Allah sa piété, chante Allah sa louange, donne Allah sa mérite. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi, pena en quelque chose, pena en élément, pena en particule, n'a pena en atome dans l'existence, excepté qu'il y peut chanter Allah ce mérite, il peut faire Allah ce louange, il peut faire tasbih pour Allah, et il peut faire Allah ce hamd. Voilà qu'il la tafkahouna tasbih haram, mais où n'a pas compris, ban la ce tasbih, innahu kana haliman ghafoura. Allah subhanahu wa ta'ala, il est bien habitué et il a beaucoup de gentillesse avec sa création. Rappelle ce hadith qui m'a fait dire là. Rappelle ce qui m'a fait dire là. Et la mer, et l'océan, qui se problème seul. Si ça va une créature là, c'est un serviteur. Mais ça va là, c'est mon serviteur. Et moi, Allah, moi, j'ai appelé beaucoup Raham pour sa bonne créature qui fait beaucoup péché là, qui ne pas fait capable ni la terre, ni l'océan, pas fait capable puis en vie un seul coup, Kayamat arrivé, tremblement arrivé, tsunami arrivé. Moi, j'ai appelé beaucoup Raham pour mon serviteur qui est une maman et n'a pour son petit bébé. Et alors, mon frère, l'air est fini pour nous réaliser, l'air est fini pour nous réaliser. Et pour nous réagir à ce qui Allah peut dire, pour nous réagir à ce qui Allah peut dire, je termine par ça dans sa première khutbah. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans chapitre 39, ayat numéro 53, 54, 55, et pour aujourd'hui, je vais lire 56, 57, 58 aussi. Bismillahirrahmanirrahim. Trouvez vos précautions avant que vous l'y alliez, pour qu'il soit l'esprit qui a l'air d'autres vivants là. Pour qu'il soit les guerres qui a l'air d'autres vivants là. Et qui a l'air d'une capacité à ce qui est là.
il paralyse ou il tire ou un nerf dans le cerveau, ou arrêter d'entendre ou arrêter de comprendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand la voilà sortie, quand la guidance finit, Allah subhanahu wa ta'ala, ligote ou dans l'ignorance, ligote ou dans l'égorement, il empêche ou bien la guidance. Qui faire? Ou vous vraiment méritez qui faire? Là, ou pas qu'à partir, qui vous fait dans l'oreille, ou pas attendez, ou pas qu'à partir, qui vous l'esprit pas bon ou fou, ou pas qu'à partir, ça là-haut. Non, mon frère, pas faire ça et là, à l'ingot ou vivant, il doit nous l'esprit raisonner, il doit nous l'écrire pour comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala dit un jour pour venir que vous dire, là où nous nasmao, si nous t'y écoutons, ou bien nous t'y servir nous l'esprit. Ma kunna fi ashabi sarir, nous n'a pas si pour venir parmi ban habitant l'enfer sarir. Écoute bien, après la mort, vraie la vie. Ça la vie qui nous fait vivre là, et puis on fait tout. Il y a la vie temporaire, il y a la vie courte, et il y a la vie trompeuse. Vraie la vie, c'est ce qui peut venir après la mort, mon frère, mon soeur. Si on n'a pas raisonné et on n'a pas compris, Allah subhanahu wa ta'ala, il pourra ce cadeau qu'il nous donne. Allah subhanahu wa ta'ala peut observer où les guerres. Allah subhanahu wa ta'ala connaît le contenu de l'Ulikéa. La honte prolonge pour la yafkahou nabiha. Le dénat des guerres, ce pape comprend pas ça l'Ulikéa là. Voilà, honte adanul la yafkahou la yafkahou nabiha. Le dénat lisé, ce pape prouvé pas ça l'Ulikéa là. Voilà, honte adanul la yafkahou nabiha. Le dénat oreille, ce pape écouté, entendre pas sa oreille là. Ou la ikakal an'am, ça va n'a comme un animaux. Allah dit dans chapitre 7, verset 179. Ça maintenant qui passait à vie, je te l'écrire pour comprendre, je te lisais pour trouver, je te oreille pour entendre, je te commence animaux, balhum à voile, mais je te plie égaré en con, waoulaï kahumul rafiloun, ça maintenant je te donne raflat, je te donne la négligence. Je demande à Allah doit, qui Allah subhanahu wa ta'ala, fait nous l'esprit travail pour sa divinité, pour sa volonté. Qui Allah fait à nous l'aider à comprendre, c'est Allah tout seul qui fait à comprendre, et qui Allah fait à nous réaliser, mon frère, mon sœur, qui réellement nous est une valeur dans Allah sous considération, Allah beaucoup compte en nous, et Allah subhanahu wa ta'ala, ce pitié, lui dépasse l'amour, lui dépasse tout mon maman, mon papa, en sa moulière, sa sourd là, ou lui arriva à dire la dîna asrafu ala anfusihim. Dire, et mon bon serviteur, qui ne dépasse limite le péché, la taqnatum mir rahmatillah, n'a pas désespéré avec Allah sur rahmat. Inna Allah yafiru dhunuba jami'a. En vérité, Allah pardonne tout péché qu'il est capable de faire. Inna hu al ghafur al rahim. En réalité, Allah, il y a un grand pardonneur et il remplit avec pitié. Wa animu ila rabbikum wa aslimu la. Des péchés retournent vers un rab, vers un maître. Et soumettez-vous totalement à sa volonté, min qabli an yaktiyakum al-azab. Avant qu'il finisse la vie tout seul, thumma la tunsaroun. Ensuite, ou pas pour gagner personne, vous venez et vous. Wa tabiru ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Suivre au maximum qui possible, ça qui Allah il révélé vers vous, ça courant là, suivre maximum qui possible, qui ne sorti qu'au Ourab, min qabli an yaktiyakum al-azab ba'datan, avant qu'il y ait un coup d'entrée, azab, punition, calamité, vint tout seul. Mon frère, mon soeur, ou bégay, tout ban si, pétiaou, qui calamité l'idée la peau. Si ça l'a pris là, paraît tomber, fini là. Et ou bien trois, ça c'est ma signe, qui me voudra pas un petit moment là. Ou bien obligé qu'elle vient, ou bien obligé qu'elle vient, pas nécessairement qu'il y ait besoin de troubler tombe dans le fond de la pluie. D'aller la misère envahir partout, la sécheresse envahir partout, ou remorcer, ou ne pas gagner. Dans différentes façons qui Allah voulait, il y a besoin d'adab. Et là, un adab est capable de nous qui met tous au main. Un adab est capable de nous qui met tous au main. Yulabisahu.
أو يلبسهم شيعا ألا لسوا استيفيزي فيذيق بعضهم بأس بعض أن تيني لو سي بوزيسيون لي لاغي كو سو فري لي ديا سو فري كافار لي جي سانتالا أقول لي بافي كاتام لي بافي مولود لي بروت دان لانفير لو تالا جي أقول لي بينا لاباب لي بروت دان لانفير ساكن تيني لو سي بوزيسيون et même se disposer à guetouiller tout. Allah dit, ça a zabla, il sorti pour Allah ça. Ça a zabla, il sorti pour Allah ça. Vous connaissez zen tifi, zen garçon, matre, zot, maman, papa? Azab! Azab! Quand ma tête m'a après sa même quitté, azab! Il finit pour nous tous, umma, si nous n'apparaissons vers Allah. Qu'il y a ribadi, alladina, asrafu, ala, anfusihim. Qui a eu mon serviteur qui ne dépasse limite le péché, la taqnatu min rahmatillah, n'a pas désespéré dans Allah sur rahmat, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, en vérité Allah pardonne tout péché, qui fait, innahu huwa al-ghafuru rahim, en vérité Allah il y a un grand pardonneur, et il y en a beaucoup pitié pour ce bon serviteur, wa animu ila rabbikum, des péchés retournent vers ce drap. Et la calamité qui peut venir, mon frère, qu'est-ce que vous devez en compte de calamité? Allah, quand il fait une déclaration trac, vient dans les mots en entier, tous auraient pu écouter là, tous auraient entendu. Les mots en entier peut entendre, qui Donald Trump, qui est le président pour l'Amérique, mais qui lui vient concernant Jérusalem. Il peut n'en rien causer concernant Jérusalem. Il peut n'en rien causer. Mais lui ici est capitale Israël, c'est Jérusalem. Une semaine après, parlement Jérusalem, parlement juif, réunis à dire aucun Palestinien n'a aucun droit dans une goutte dans tout le monde. Il finit voter. Et c'est lui qui parmi où? Vous connaissez combien parmi où là? Il ne pas connaît. Et quand il connaît là, il est en déguerre pour lui prendre une décision. Est-ce qu'il. Mouvin parmi les qui peuvent défendre l'intégrité de tout le Moukaddas. Mais maintenant que tous sont imams, maintenant que tous Allah sur Sha'aïr, Sha'aïr veut dire sur le lieu sacré. Tu vas dire Allah Akbar, Allah plus grand, mais tu es mentir, tu es hypocrite. Tu ne peux pas t'y connaître avant. À ce terme, tu te connais. Mais tu es 10 ans à l'intérieur, tu vas dire moi, il y a un imam là-dedans. Tu as de l'équerre et la iman, mais 10 ans la côte sortie, la 20 la côte plus puise 10 ans là, pendant sa l'équerre et la iman là, si vraiment tu as de la iman, qui Kaaba, il y a le sacré pour Allah, Madina, il y a le sacré pour Allah, et bien tout le Muqaddas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il pose sur les pieds là-bas, ben Dieu peut dire tout musulman, tu n'as pas besoin de faire ibadat là-dedans, nous peut passer la loi, nous peut prendre ça. Tu n'as pas aucun droit là-dedans. Il n'y a pas de petit ajout à ce que tu as dit. Tu as un petit maman là. Quand tu restes tranquille, tu vas sortir dans le nez, tu vas commencer à faire la table de la file. Pour dire, Allah, fais-toi venir parmi ban qui rose pour dire. Quand tu as voulu le hajar, rose pour dire, il y a un musulman et un musulman. Hada yahoudi yon min khalfi. Et tu as un juif qui a cassé derrière ma fortune avec tout il lit. Tu vas faire des morts parmi sa bande qui rose pour dire ceux qui sont musulmans avant qu'ils arrivent côté Allah pour Allah dire toi. Tu vas musulman pour Allah dire toi. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Parmi tout le monde, une quantité de plaisir de l'iman d'Allah avec dans ce jour dernier. Allah dit wa ma hum bi mu'minin. Tu connais quand tu arrives côté Allah et dans tes petits bouteilles de mettre au Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, les petits bouteilles avec un autel et quand tu mets un extra soir, tu dis ya Rasulallah, tu vas te parler honnêtement, mais qui pourrait connaître toi? 5 fois la masse de faire, te lire Coran tous les jours, de faire des masses comprends. Bizarre de connaître toi là-bas, toi pour gagner l'eau avec un autel. Là, tu dis à toi, prends décision pour te lier dans l'eau 10 fois par jour, tu ne vas pas prendre décision là-là. Qui empêche-toi de prendre décision là? Tu vas me dire à ton islam, tu vas me dire à ton musulman, ton imandar, ton ummat et rasoul. Est-ce qu'il t'oublie qui quand tu lis un Daoud, tu peux avoir salam, le Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un qui peut plus contre toi là, c'est Allah. Comment lié le premier qui t'aime ton salam et il fait toi salam 10 fois pour un salam qui te fait son rasoul. Qui empêche-toi là, toute ton raisonnement était, toute ton compréhension était, les temps qui te fait dépenser dans la terre, là, pas tout le temps ça. Qui lui prend toi comme les temps pour te lier 10 tarots tous les jours dans ton avantage, qui poussait avec toi dans ton dunya, dans ton kamar et dans ton akhirat. Raisonnez, musulman, raisonnez, imandar, raisonnez,
là. Allah s'attendit de la compte en toi. Et toi, tu es aussi devant ta femme pour faire du tout le qui est là. Rabbul alamin, jawanimu ila rabbikum wa aslimu la. Des péchés retournent vers ce drabe et rendent les cons à lui, mais nous prenons les yachts, il y a comme un adabo. Mais nous prenons les yachts, il y a comme un adabo, comme un malade de saoul. Avant qu'ils finissent la vie, ensuite, tu vas vous faire personne pour être toi. Wattabiru ahsanama unzila ilaykum min rabbikum. Et suivre le maximum ce qui Allah a révélé. Allah, ce qui Allah a révélé. Tu trouves là? Ah, j'ai tout même trouvé. Allah, ce qui Allah a révélé. Sa livre là, c'est sa même comportement, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il traduit sa livre là dans son lavi pratique. Il applique le livre là dans son lavi. N'a pas fait dire toi sortir comme un shaitan vin en os. Jamais tu pas pour capable vin os. Mais prends décision à partir d'aujourd'hui pour te commencer à suivre le droit chemin. Commence par 5 lire namaz, lire sa kitab là tous les jours, après lire 10 tabou tous les jours. Tu tout ça nous. Non, tu tout ça nous. 5 lire namaz, veut dire aller mettre fardeau le droit. Vous donnez un ticket pour un coup, Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid, Walam Yulad, Walam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. Vous donnez ça trois fois. Trois fois pour Allahu Ahad, il paraît pas donner un courant complet. Ça te double. Ça te double. Mais rien pas ton islam, vaut mieux de pas perdre ton islam. Vaut mieux de pas perdre ton imandar. Pas pour la peine avec toi comme un islam. Qui doit porter dans l'islam? De Boukaraval à la guerre pour libérer. Mais tu ne vous pas d'as. Avec commencer par sa petite chose qui me dit là, tu remplis bien ton toi pour lui pardonner toi. Rabbul alamin, dans ce qui vous tendez à aujourd'hui, sur raham, sur l'amour, sur l'affection, pour où il dépasse prend tout maman qu'il y a dans le monde, juste pour venir prendre ou godi, juste pour venir faire gâter avec vous, pas pour être égal ce qu'il y a à faire pour vous. Il fait obligé de trouver. Il fait aux oreilles entendre, il fait aux lèvres comprendre. Et là, il peut faire où gagne un achat pour retourner vers lui. Et mon mandat n'a pas découragé beaucoup par tout. Après le Rabbi Hada, Astaghfirullah Ali Walakum. C'est ça que je vais vous dire aujourd'hui. Je demande à Allah pardon pour moi et pour aussi. Et ben qui peut écouter nous à travers Internet. Allah pardonne-nous, Yarab. Fais-nous l'esprit, nous les guerres avec nos âmes. Retourne sincèrement, honnêtement. À toi et soumet à toi, Yahweh. Alhamdulillah, radiyallahu Allah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu. Nous célébrons Allah son mérite, son grandeur, nous demandons les mêmes aides. Et nous répandons, nous demandons Allah pardon. Man yahdihillahu falamudillala. C'est lui qui Allah dit, libère personne pour égali. Wa man yudlilhu falantajidalahu waliyam murshida. Et c'est lui qui Allah laisse lui à l'égarer. Tu n'as pas trop personne pour capable protéger lui et guide lui dans Allah ce chemin. Allahumma ya arhamar rahimin. Oh Allah, oh toi qui en a plus l'affection, pitié. Irhamna, gagne pitié pour nous. Wahdi uqulana wa qulubana wa nufusana ila al-haq. Guide-nous l'esprit, nous les guerres et nous âmes vers la vérité. Allahumma arina al-haq haqqan. Oh Allah, montre-nous la vérité, qui ça c'est la vérité. Wazoukna tiba al-haq. Et fais-nous suivre la vérité. واستعملنا للحق سيرنا طول بريده وتوفنا على الحق دنو لامول
Ahjurna ma'al haqq. Et lève-nous après nous l'amour avec la vérité. Amartana bidouari, te fin commande nous pour demander toi, toi, nous chiduka, nous prépare toi-même comme témoin, puis annana qaddaounaka ala al-mimbar, qui nous fin demande toi, toi, dans l'air de la réponse, l'omimbar sazoula dans sa place là. Ilahana, innaka la tukhliful mi'ad. Ô toi nous ilah, ô toi nous khalik nous rab, ça m'est de mort de promesse. C'est par ça qui donne décrété, par ça qui donne planifié, qui nous fait demander toi ça doit là. Voilà, taj'alna mina tollin. Papa nous vint parmi ban égaré. Waj'alna mina mukhlasin. Fait nous vint parmi ban qui toi te donne cette sincérité. Amartana bit taqwa. Te fin commande nous pour nous vivre avec taqwa. Ya Rab, taqwa c'est une provision. Nous demandons, nous demandons toi. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa la akoum nous âmes sur taqwa et purifie nous âmes. Anta khayru man zakkaha. C'est toi le meilleur purificateur des âmes. Anta waliyuha wa maulaha. C'est toi ce propriétaire et ce protecteur. Man lana ghayruka ya rabba qulubina. Kistanna kinena apporte-toi, ô toi le maître de nous les guerres. Faj'alna min al-mutawakkilina alayka tawakkulan kamila. Fais-nous une banque établir une dépendance totale, ô toi. Qulubun qulubuna bayna asbi'ayk. Nous parlons les guerres, les hautes de tes les doigts. Tuqallibuha kayfa tasha. Te tourne, nous parlons les guerres d'après toi, ta volonté. Ya muqallib al-qulub. Ô toi qui tourne dans les guerres, qallib qulubana ala hubbika wa hubbi rasulika wa hubbi dinika wa kalamika. Tourne-nous les guerres pour contenter toi plus, pour contenter ton rasul plus, pour contenter ton din et pour contenter ton kalam. Allahumma ja'alna min alladhina tahtaruhum. Ô Allah, fais-nous bien parmi ban qui te choisir. Li jihadi fi sabilika, pour à lutter dans ton chemin, ya Rab. Ilahana, ya Rabbana, anta amanuna, ya sami'an, qariban, mujib al-da'wat. Bika amanna, wa alayka tawakkalna. Bon frère, écoute bien ce qu'il y a la bêtise dans sa main versée là. Ça même sur la 39, ayat numéro 5-6. Allah fit créer les ciels et la terre par la vérité. Allah fait la nuit enveloppe le jour. Et il fait le jour enveloppe la nuit. Li fait soleil avec la lune circuler, kullu yajri li ajalin musamma, tout après circuler, après galoper, pour un terme qui est fixé. Allah huwa al-aziz al-ghaffar. Est-ce qu'il n'a pas trouvé qu'Allah est puissant et il y a un grand pardonneur? Khalaqakum min nafsin wahida. Il vient créer une seule être, Adam alayhi salam. Thumma ja'ala minha zawjaha. Ensuite, à partir de sa haine, il vient faire ce père. Hawa alayha salam. Wa anzala lakum min al-an'ami thamaniya azwaj. Parmi ban bétail, il vient faire 8 pères. Ça, à soi qu'on nous explique, nous parlons en détail. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin. Dans votre umam ali créou, création après création, ça 40 jours. Fidulumatin salata, dans trois noirs, Thalikumullahu Rabbukum, ça c'est où Allah ou Rab, Lahul Mulk, à lui l'autorité suprême, La ilaha illa huwa, personne pas possède divinité excepté lui, Fanna tosrafoun, avec côte ou pégaloupé pour aller, côte ou pégaloupé pour aller, et takfuru, si vous révélez contre Allah, fa inna Allah ghaniyun ankum. Alors Allah n'a pas bizarre, voilà yardo li ibadihi il kufra. Allah n'a pas gagné plaisir, la satisfaction quand vous rébellez, quand vous partez dans le kufra.
Quand on n'a pas fait la manche, elle n'a pas content, elle n'a pas gagné son plaisir, elle n'a pas gagné son satisfaction. Quand on parle du Coran, elle n'a pas gagné son plaisir, elle n'a pas gagné son satisfaction. N'a pas fait Allah en colère musulmane. Il manda au maté Rasoul, retourne vers Allah sincèrement, honnêtement et sérieusement. Si tu remercies Allah, Allah est beaucoup satisfait, beaucoup content de toi. Voilà, personne pas pour soyez pour ce camarade. Ensuite, je prends pour retourner que ce droit. Fayouna Pioukoum Bima Kuntum Tamalon. Et ce droit pour répondre tout ce qu'ils ont fait. Il n'a pas alimum bikati sotour. En vérité, Allah y a une connaisseur de ce qu'il est qu'il a continué. Ça croit à Yatla Women ni la case. Oh madame aux enfants. Chapitre 39, verset numéro 5, 6, 7. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أقبل بيان من جاءوا أباك مولي دارون لتاو جاءوا سلام للرسول على الأبرمية لربنو تسفى سلام prend l'engagement musulman, les daoul l'avantage, prend l'engagement 10 fois par jour, ou bien 10 fois dans une semaine, 30 tickets, ça pour sa quantité, si bien qu'Allah fait pour, avec autant de l'amour qu'Allah fait, si bien pour, il peut faire obliger de trouver tous les jours. Qui fait on peut pas faire 10 daoul tous les jours? Qui fait Allah pas faire 100 fois salam tous les jours avec 10 daoul, subhanallah? إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعلى الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين والأمهات المؤمنات الطاهرات ومن تبعهم إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ارحم الإسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر المسلمين الذين يقومون لحماية مسجد الأقصى اللهم انصر المسلمين الذين يقومون لحماية مسجد الأقصى ودمر اليهود والنصارى الذين يريدون تدمير مسجد الأقصى اللهم بك آمنا وعليك توكلنا فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ربنا ارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا ارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إلهنا يا ربنا يا خالقنا اجعلنا لك ذكارا واجعلنا لك شكارا واجعلنا من المخلصين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من المخلصين وارزقنا حسن الختام اللهم ارزقنا حسن الختام اللهم ارزقنا حسن الختام وصلى الله على خير خلقه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم